Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré à la prise en main du logiciel Word Starter. Word Starter est un logiciel de l'éditeur Microsoft. Microsoft a mis à disposition des utilisateurs une version gratuite, mais allégée de sa version Word. Celle-ci nous permettra néanmoins de réaliser de très nombreuses opérations basiques de traitement de texte. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, à tout de suite! Donc, on se retrouve sur le bureau classique de Windows. Donc, pour retrouver notre Word, il est ici, hein, ouais. S'il ne se trouve pas, donc on peut le faire de la manière suivante. Donc, ici, on vient sur le petit moins. Et on va faire rechercher. Hein, donc ici on peut faire Word Starter ici. Donc là je fais un clic droit dessus et pouvoir lui dire hein, soit détacher là je le détache, soit l'attacher. Si je veux le mettre sur mon bureau de Windows classique, hein, je vais faire emplacement du fichier. Donc là il se trouve là dans ce dossier. Et là je vais faire un clic droit dessus. Et je vais faire envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Alors, hein, comme je l'ai, hein, l'avais déjà, je vais le remettre à la corbeille. Donc là, je vais le lancer, Word Starter. Alors, on fait un petit tour rapide du logiciel. Donc, dans le menu fichier, on pourra enregistrer, imprimer. Le menu accueil hein, va nous permettre de jouer sur les polices d'écriture, le gras, italique, le souligné, hein, des petites choses. Insertion, on pourra aller mettre des images, créer des tableaux. La mise en page, on pourra définir nos marges. Et le publipostage, hein, quand on veut envoyer à plusieurs personnes le même document. Donc ici, on appelle ça la barre des menus. Alors ici sur votre droite, hein, vous avez une barre ici, une grande barre avec Office 365 hein, qui vous invite à acheter cette version. Ça c'est une barre publicitaire hein, que vous ne pourrez pas enlever. Hein, donc c'est contre cette barre de publicité que vous avez le droit d'utiliser la version Word Starter. Autre chose, ici en bas, vous allez pouvoir augmenter votre zoom, plus ou moins. On va pouvoir écrire bonjour par exemple. Si j'augmente, je vais augmenter. Si je diminue, je vais diminuer. Donc généralement les gens travaillent entre 150 et 100%. Donc il faut que ici, hein, l'idéal c'est d'avoir aucune marge ici. Hein. Donc là, hein, comme ça c'est presque parfait pour travailler. Ici, sur un écran de 15 pouces à 140%, je suis pas mal. Donc ici, je vous ai tapé un petit texte qui va nous permettre de comprendre comment effacer. Donc soit utiliser la touche retour arrière hein, sur votre clavier ou la touche effacer. Donc la touche retour arrière ou backspace en anglais, c'est elle se retrouve en haut de votre clavier plutôt côté à droite et la touche effacer ou alors ça peut être aussi supprime sur votre clavier si vous avez un portable elle sera sur le clavier numérique sinon elle peut se trouver juste à côté de la touche qui permet d'aller à la ligne c'est-à-dire la touche entrée. Donc je vais placer mon curseur après le i et donc je vais utiliser la touche retour arrière pour effacer. Donc je vais utiliser la touche retour arrière pour effacer aujourd'hui. Vous voyez, hein, j'efface le mot aujourd'hui avec la touche retour arrière. Alors je vais annuler ce que je viens de faire. Et maintenant je veux effacer le mot aujourd'hui avec la touche efface. Donc je vais me placer
devant le A de aujourd'hui. Donc là, je vais utiliser la touche supprime de mon clavier numérique. Et là, j'ai bien effacé le mot aujourd'hui. Hein, et là, je peux réécrire demain. Si je veux effacer le mot marché, hein, ben je vais me placer soit devant. Donc si je me mets devant là, qu'est-ce que je vais utiliser? La touche supprime. Si je me place derrière, je vais utiliser la touche retour arrière. Voilà. Point. Donc nous revoilà sur notre traitement de texte. Donc surtout ce que je veux vous dire, hein, c'est qu'on n'utilise pas le traitement de texte comme une machine à écrire. Hein. Donc vous allez voir, je vais saisir du texte. Hein. Donc, par exemple, le texte qu'on va étudier tout à l'heure. Pour démonstration, hein, je prends ici, je vais taper du texte. Hein. Alors vous allez voir, voilà, hein, je passe à la ligne automatiquement. Hein, je n'ai pas appuyé sur la touche entrée pour retourner à la ligne. Hein, je vous remontre, vous voyez, je tape secours, ici, hop, je tape mallette et je passe à la ligne automatiquement. Donc hein, ne vous amusez pas à appuyer sur la touche entrée pour forcer le retour à la ligne. Donc là j'ai récupéré un texte. Hein, donc le texte sur lequel on avait commencé à travailler. Donc là, hein, on va voir sur le titre. Donc le titre, je voudrais mettre en plus gros et le centrer, par exemple. Hein, quoique, oui, si on va le centrer. Donc pour ce faire, première chose que je vais faire, je vais venir sélectionner ma survie. Donc pour ce faire, je vais cliquer avec le clic gauche de ma souris. Je ne relâche pas ce clic gauche et je vais venir balayer. Et vous voyez, mon texte vient se mettre en bleu. Voilà. Là, je peux relâcher. Maintenant, je vais revenir sur Accueil et par exemple, hein, je vais venir le mettre en taille 18. Je veux aussi le mettre en gras. Et par exemple, je veux le souligner. Et je veux le centrer. Je vous le refais une deuxième fois. Donc on était comme ceci. Donc pour le sélectionner, soit je pars de la gauche ou de la droite. Moi j'aime, je préfère, hein, ça c'est une question de choix personnel, partir de la droite, je clique gauche avec ma souris, je ne relâche pas le clic gauche de ma souris et je vais venir sans relâcher jusqu'au bout de ma phrase. Là je relâche, maintenant je veux le mettre taille 18, ben, je vais venir chercher ma taille 18, je clique dessus. Si je veux le mettre en gras, je vais appuyer sur gras. Là, ça me paraît correct. On va faire pareil sur une autre partie du texte. Donc, par exemple, on va vouloir mettre. Et on va mettre Jean-Yves Chauve, médecin. Un Jean-Yves Chauve, on va le mettre en gras. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur clic gauche. Je ne relâche pas le clic gauche. Et là, je vais prendre Jean-Yves Chauve. Alors, ce qui peut arriver, hein, si vous êtes débutant, ça part comme ça. Faut surtout pas paniquer. On relâche pas le clic gauche de sa souris et on va revenir sélectionner Jean-Yves Chauve. Voilà.
Par exemple, je veux le mettre en italique. Je vais appuyer sur italique. Si je veux le mettre en gras aussi, je peux le mettre en gras. Nous allons voir maintenant comment sélectionner un texte qui est sur deux lignes. Donc pour ce faire, hein, je vais venir sélectionner ici Guy Cotten et je vais cliquer gauche. Je relâche pas et je vais venir sélectionner. Je descends jusqu'à ma droite. Alors ce qui peut arriver généralement, hop là, on part beaucoup plus loin que l'on avait prévu. On va revenir. On ne relâche pas le clic gauche et je vais venir jusqu'à manœuvrante. Là, je peux relâcher le clic gauche et par exemple, hein, je vais mettre ça en 16 et par exemple en souligné. Autre petite chose, hein, je peux aussi, par exemple, fournisseur. Si je vous refais la. Fournisseur de Dubois, elle assure une meilleure isolation thermique. Hop, par exemple, je vais mettre en couleur bleue. Maintenant, hein, pour mettre en italique, ici, extrait du journal L'Équipe, venir faire un clic gauche et je ne relâche pas. Et là, je vais appuyer sur italique. Si je veux le mettre en couleur verte, par exemple, je vais venir sur vert. Hop. Maintenant, hein, le plus important, ça va être d'enregistrer notre document. Donc maintenant, on va vouloir enregistrer ce document. Donc par exemple, je vais venir sur Fichier, Enregistrer sous. Et hein, je vais lui donner par exemple, on va l'appeler Guy Cotten. Guy Cotten. Donc là, j'appuie sur enregistrer et je retrouve mon document a été enregistré. Hein, la preuve ici, Guy Cotten apparaît. Maintenant, je referme mon document et je vais pouvoir le retrouver dans mon dossier, mes documents. Hein, Guy Cotten, voilà, j'ai mon document Guy Cotten. Hein, la preuve ici, hein, on retrouve le document. Alors si j'ai des modifications à faire, par exemple si je mets en bleu ici maintenant combinaison, hop, je viens en bleu, il me suffira non plus d'aller dans fichier enregistrer, mais d'appuyer sur la petite disquette ici. Enregistrer ou vous pouvez aussi faire CTRL plus S sur votre clavier. Je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement. À bientôt!